L'église Le Portail en ligne. Si tu es nouveau, laisse-moi juste te présenter l'église euh, dont tu vas écouter la réunion aujourd'hui. Euh, l'église Le Portail, c'est une église de quatre sites, donc Laval, Terrebonne, Saint-Eustache et Abitibi. Et on aura un cinquième dès Pâques 2023 Montréal-Nord. Sa mission, c'est vraiment d'aider chaque personne à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Pour ça, le portail offre chaque semaine un service clic pour les enfants de 0 à 12 ans, pour chaque site et chaque réunion grâce à des bénévoles incroyables. Euh, les ados et les jeunes adultes ont aussi leur réunion juste pour eux, tous les vendredis soirs à 19h30, ici à Laval. Toutes les infos sont sur leur page euh, Facebook. On a aussi des petits groupes qui se réunissent pour partager la parole de Dieu, pour prier ensemble. Si ça vous intéresse, vous pouvez écrire à petitgroup at euh, Si tu as des questions, dans tous les cas, euh, toutes les informations sont sur euh, notre site internet égliseleportail.com ou sur notre page Facebook. Sinon, au portail, on aime particulièrement partager la bonne nouvelle de Jésus. Alors, sans plus tarder, écoutons cette bonne nouvelle pour aujourd'hui. Et salut à tous. Salut à toi qui as pris la merveilleuse décision de t'arrêter pour entendre parler de Dieu. Euh, salut à vous aussi. Portail Abitibi, je sais que vous écoutez spécifiquement ce message. Alors, salut à cette chère Église. On est présentement dans une thématique qui s'intitule Perspective où qu'on s'attarde à, à l'histoire de Job, un homme qu'on voit dans la Bible, qui est dans une souffrance extrême. Extrême, c'est extrêmement souffrant. Toutes les épreuves qui prennent place dans sa vie, il a tout perdu. Il a perdu ses biens, il a perdu tous ses avoirs, il a même perdu ses dix enfants. Et en plus de ça, il a une maladie qui le fait souffrir extrêmement. C'est probablement la lèpre qu'il a. Et, et vous savez, lorsqu'on regarde à, à l'histoire de Job, on peut le voir de différentes manières, de différentes perspectives. On peut voir Job d'une manière affligée, comme on le voit sur le visuel de cette thématique, un Job courbé, affligé. Ou tu peux avoir une perspective d'un Job qui est dans l'épreuve, les bras ouverts et rempli de foi et de, de résistance, de persévérance. On peut voir Job comme les amis de Job, ses amis le voient. Plusieurs, il y en a trois amis principalement qu'on voit dans le récit qui croient que Job a sûrement fait quelque chose de mal pour qu'il lui arrive tout ce qui lui arrive. On peut regarder Job dans la perspective aussi de, de Satan. On voit au chapitre 1 et 2 que Satan se dit, Job aime sûrement Dieu pour toutes les bénédictions que Dieu lui donne. Alors, si on enlève ces bénédictions-là, je suis sûr que Job va maudire Dieu. Il a une perspective différente sur Job. Et il y a Dieu. Dieu qui a une autre perspective sur Job. Dieu qui regarde Job et qui dit, wow, hey, hey, tout le monde, arrêtez-vous, re regarde Job. Wow, avez-vous remarqué Job, un homme intègre, droit, spirituel, fervent, pieux? Wow, regardez Job. Alors, toutes sortes de perspectives qu'on voit ensemble, et ce livre nous amène toutes sortes de questions aussi. Ce qu'on a vu précédemment dans les autres messages auparavant, on a vu qu'on s'est posé la question, est-ce que Dieu est en contrôle? Est-ce que Dieu est injuste? Euh, Dieu punit-il Job? Et ce matin, la question qu'on... Aujourd'hui, la, la question qu'on se pose et sur laquelle on s'arrête, c'est « Où est Dieu? »« Où est Dieu? » Au Québec, on dirait « T'es où, Dieu? »« est où, Dieu? » Stroma dirait « Papa, où t'es? »« T'es où, Dieu? » Et c'est peut-être une question que tu te poses à toi qui es dans l'épreuve, à toi qui vis des choses souffrantes, à toi qui passe au travers d'un deuil, mais aussi à d'autres gens que tu es juste dans un moment de sécheresse spirituelle. Puis tu te demandes, il est où Dieu là-dedans À toi qui, qui se remet en question, qui se pose toutes sortes de questions, qui déconstruit sa foi, puis tu te dis, Seigneur, tu es, es où là-dedans À toi qui as vécu des blessures. Des blessures par des gens qui t'ont déçu, qui t'ont menti, qui t'ont trahi, qui t'ont rejeté, des gens qui t'ont fait du mal. Puis tu te dis, il est où Dieu là-dedans? À toi qui, euh, euh, qui a été blessé, mais non seulement par des gens, mais par des gens, même peut-être dans l'Église, peut-être même une Église qui t'a blessé. C'est l'Église, il est où Dieu là-dedans? Tu peux te poser cette question-là alors que tu es dans une quête spirituelle. Tu regardes à droite, à gauche, tu regardes plusieurs options de, de croyances. Puis tu te dis, OK, ouais, mais ton Dieu, lui, il est où là-dedans? À toi qui nous visite, peut-être tu cliques pour une première fois, tu écoutes un message comme ça parce que quelqu'un a trouvé ça. Peut-être que tu allais être béni ou allais être touché de recevoir ce message-là, puis tu as juste envoyé ce message-là, puis... Tu as cliqué, puis tu te poses, tu te trouves la question intéressante. Ouais? Il est où ton Dieu? Il est où Dieu? C'est la question qu'on voit et qu'on va relever ensemble. En Job, au travail, le chapitre 22 et 28, on voit tout ça. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le chapitre 23. Et euh, toute cette section-là, du chapitre 22 à 28 du livre de Job, c'est en fait le troisième cycle. C'est en fait le, le troisième échange de discussion. C'est d'ailleurs le, le dernier cycle. On arrive à la fin et on voit l'un des amis de Job, Eliphaz, qui commence au chapitre 22 en donnant une réprimande brutale. Il est comme à bout d'arguments, à bout de patience. Puis envers Job, il devient même méchant. Il donne des conseils qui sont juste selon sa perspective et sa perspective qui peut être imparfaite et même tordue. Son autre ami, Bildad, lui, il n'a pas grand-chose à dire dans cette séquence-là, dans cet échange de discussion-là. Et le troisième ami, Tsofar, lui, il ne va même pas parler cette fois-ci. <laughs> Peut-être qu'il se dit, « Ouais, Eliphaz il est déjà allé fort, là, on va, va s'abstenir. » Alors, les trois s'échangent. Et on voit au travers de tout ça toujours encore euh, des, des, des moments où Job, lui, s'exprime. Et on arrive, et je veux souligner le chapitre 23, c'est euh, dans ce chapitre qu'on va s'attarder ce matin, aujourd'hui. Verset 1, ça nous dit, Job répondit, Oui, maintenant encore, ma plainte est faite de révolte. Je fais tous mes efforts pour étouffer mon cri. Si je pouvais savoir... Où je trouverais Dieu T'es où Dieu Je me rendrais alors jusqu'à sa résidence. Je pourrais devant lui plaider ma juste cause et j'aurais bien des arguments à y présenter. Je saurais sa réponse. Je comprendrai enfin ce qu'il cherche à me dire. Je, je, je vais m'arrêter ici parce que c'est super intéressant. Euh, Job. Pendant plusieurs moments, il débat avec ses amis, il se défend devant ses amis. Mais Job, on sent qu'il veut juste s'arrêter de débattre ici pour, pour amener le débat ailleurs et amener le débat avec Dieu. Et dans l'épreuve, vous savez, il y a toujours quelque chose qui prend place dans l'épreuve. Il, il y a parfois des gens qui vont venir te conseiller, te parler, te dire des choses. Ou parfois, tu vas avoir le réflexe d'aller vers des gens, et c'est tout aussi bien d'aller vers des gens pour chercher conseil, pour chercher leur euh, discuter, partager avec eux. Et, et les deux sont bons envers des gens qui t'aiment, que tu aimes. Probablement et assurément des personnes intelligentes qui t'entourent, ta famille qui veut le bien pour toi. Peut-être tu es même allé voir un pasteur, d'ailleurs, on est là, on est toujours là pour toi. Il y a des amis qui sont là, des collègues de travail, des gens qui sont croyants, des gens qui sont non croyants, qui donnent toute ton, leur opinion sur ce que tu vis en ce moment, l'épreuve à laquelle tu passes au travail. Et tu te ramasses donc avec douze perspectives sur ta situation, et en plus de ça, il y a ta conviction personnelle, puis il y a aussi ta, ta compréhension biblique des choses ou on pourrait dire, ta théologie sur ta situation actuelle. Et tout ça amène un genre de brouillard. Ce n'est pas noir ni blanc, c'est vraiment une zone grise. Il y a plein de gris dans ta situation et dans ta souffrance. Et je crois que d'avoir des conseils, c'est bien. Mais je crois aussi à un moment donné où tu dois amener le débat à Dieu. Tu dois avoir le débat à Dieu. D'ailleurs, si tu nous visites, si tu écoutes pour la première fois un message chrétien, je t'inviter à essayer Dieu, à amener tes questionnements vers Lui. Et de la même manière, si tu es dans la souffrance, il faut t'arrêter d'avoir toutes ces opinions-là, puis d'essayer de comprendre, pour justement t'adresser à Dieu. Et si tu prenais ce temps d'arrêt pour même faire pause au message, puis juste t'adresser à Dieu. Parler, te lamenter, t'exprimer, ventiler à Dieu, c'est permis. Tu as le droit de le faire. Et c'est ce que Job veut faire. Il le fait en lamentation, puis il dit en d'autres mots, il se pose la question Dieu est-il lointain Il est où Dieu Est-ce qu'il est, qu est loin, inaccessible Elle est où sa résidence Parce que Job veut bien s'entendre avec Dieu. Il veut juste comprendre. Il n'est pas rebelle. Il n'est pas contre Dieu. Il veut argumenter avec Dieu. Et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une progression dans, dans tout le récit où, ce que, au début, Job avait peur. Chapitre 9, ça nous dit Qui donc s'aviserait de plaider contre lui Mais là, plus que jamais, il est convaincu de sa droiture puis il veut aller plaider devant Dieu. Il veut faire ce que même son ami lui a conseillé juste avant au chapitre 22, verset 21. Accorde-toi accorde donc avec Dieu, fais la paix avec lui, ainsi tu connaîtras de nouveau le bonheur. Alors il, il veut s'accorder avec Dieu, il veut comprendre, il veut le voir, il veut amener le débat vers lui. Il est prêt à se soumettre, mais il veut des explications. Si tout à coup tu es en voiture et là la police t'arrête. La police fait aller ses gyrophares et, et te, tu, tu vas sur le côté, la police vient, le policier vient vers toi, il te donne une contravention. Avant de te donner la contravention, il va t'expliquer pourquoi. Il va te donner une explication. Est-ce que c'est juste moi qui. À chaque fois, je me fais arrêter, puis là, je parle comme si c'était arrivé souvent, c'est pas arrivé souvent, mais, mais quand c'est arrivé ou ce que j'étais dans l'erreur, est-ce que c'est juste moi qui ne sais jamais ce que j'ai fait de mal? On dirait, je suis là, je suis en train de conduire, puis là, puis là, puis, 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 là, puis je suis comme. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai. Je... 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 J'ai besoin, et là, le policier arrive, toujours et je ne fake pas. Là, je ne suis pas en train d'essayer de, d'inventer de, quelque chose. Je suis toujours comme Qu'est-ce que j'ai fait de mal Puis là, il te dit oh, bla, 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 bla. Ah, blablabla. Si tu le dis, mais donne-moi pas une contravention sans m'expliquer le pourquoi. Et de la même manière, Job veut juste comprendre qu'est-ce qui se passe. Il veut amener le débat pour, de, devant Dieu. Il dit si je pouvais seulement me rendre chez eux, chez Dieu. Hein, C'est comme quand euh, tu as une mise en tente avec ton, ton voisin, tu sais. Une petite chicane ou quelque chose. Ah, son volume de la musique est trop fort chez le voisin. Puis là, tu es comme ah, si, si je croise là, dans la rue, je vais lui dire, je vais lui dire ma façon de penser. Puis là, tu es là, tu t es, t es, t es chez vous, puis tu es en train de te fâcher. Ah, je vais lui dire, puis tout ça. Puis ta femme, peut-être qu'elle te dit juste comme, ben, vas-y, tu sais qui est là, va cogner chez eux. Tout toi, tu comme, non, 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 euh, je t'occupe là. <laughs> tu t'inventes quelque chose. Tu t'occupes. Job est prêt à aller chez Dieu. Il dit, non, 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 je ne vais pas éviter le sujet, je ne vais pas éviter l'argumentation, la, le débat. Non, non, je veux le trouver. Mais il habite où, Dieu? C'est pas si facile de se rendre chez Dieu pour débattre, right? Tu es d'accord avec ça? C'est intéressant parce que Job croit en un Dieu. Il croit en Dieu. Il croit en un Dieu souverain. Mais il se demande, il est en train de se poser, de se demander, est-ce qu'il est, qu est juste insensible, inaccessible? Est-ce que Dieu est absent, inatteignable? On dirait je suis pas capable de le saisir. Dieu est-il lointain? CV, moi, 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 je crois en Dieu. Puis plusieurs personnes t'écoutent en ce moment, puis c'est parce que justement, tu crois en Dieu. Puis, et et j'arrive le dimanche, puis... puis je peux vivre un moment dans la louange, la présence, je ressens la présence de Dieu, je crois en Dieu. Je peux entendre parler de miracles qui ont pris place, je crois en Dieu. Je peux entendre des gens, de voir des gens se tourner vers Dieu, leur vie transformée par Jésus. Puis je suis comme, wow, je crois en Dieu. Mais durant la semaine, il peut juste se passer un moment, un petit creux de vague, une petite remise en question, juste une journée grise. Puis je suis comme, t'es où, Dieu? Est-ce que ça ne nous arrive pas parfois? Et lorsque vient la souffrance, c'est encore plus grand ce qu'on se dit. Il est où? Pourquoi on dirait que Dieu se cache dans l'épreuve? Pourquoi on dirait que Dieu est distant? Est-ce que Dieu est juste occupé avec d'autres mondes plus importants que moi? Peut-être que d'autres qui sont plus spirituels que moi et ont besoin. Dieu répond à d'autres prières, mais pas les miennes. Tu là, tu es dans, dans ce moment juste d'attente. Tu es où, Dieu? C'est comme lorsque tu vas à l'épicerie, puis, euh, puis peut-être comme moi, tu n'y vas pas très souvent. Okay? Et, et là, tu vas à l'épicerie, je fais une commission, ton épouse t'a juste dit, ah, va acheter tel produit. Et là, tu arrives devant euh, l'étalage, puis tu vois deux produits qui se ressemblent. Là, tu textes ta, ta femme, tu es juste comme, OK, ben, c'est lequel, lui ou lui? Puis tu, déjà, c'est sûr, tu as déjà vécu ce moment juste d'attente inconfortable, tu sais, ou Tu attends la réponse. Tu ne vas pas choisir le produit, tu attends la réponse. Alors, tu es là, tu attends. Puis là, tu checks ton téléphone, est-ce qu'elle t'a répondu. Puis là, tu attends devant l'étage. Puis, à un moment donné, tu vois, ah, oh, vu. Elle, elle a vu. Ah! Oh, elle a vu. Elle va me répondre avant. Elle va me répondre. Finalement, elle ne répond pas. Puis là, t attends. Tata, t'as posé ta question, mais il n'y a pas de réponse. Puis là, tout à coup, hop, il y a trois petits points. Tu sais, trois petits points. Elle est en train d'écrire. C'est bon, je vais l'avoir. Et là, tout à coup, les trois petits points s'arrêtent. Comme si la personne avait commencé à t'écrire puis elle avait été comme Ah, je suis pas sûr. On va attendre. Des fois, on se sent comme ça dans notre vie spirituelle. Où est-ce que tu, tu, tu sens que Dieu est loin, tu sens que Dieu est silencieux, puis tu parles à Dieu, puis, puis tu attends. attends. Tu, tu sais qu'il t'a vu. Il a entendu tes cris parce que tu crois en Dieu. Tu sais qu'il entend tes prières. Et à un moment donné, tu actives ta foi, puis tu dis, ok, mais peut-être qu'il veut me parler. Hein, les trois petits points. Peut-être qu'il veut me parler. Alors, tu vas dans ta Bible remplie de zèle. Tu ouvres ta parole. Puis finalement, tu, où est-ce que tu es rendu? Puis finalement, tu tombes dans les, les, les généalogies ou les, les rois qui se succèdent. Tu es juste comme, non, mais ce n'est pas ça que j'ai besoin. C'est pas ça que je veux entendre. Est-ce que, est que Dieu est juste loin? inaccessible, inatteignable. Je crois que oui. Je crois que Dieu est tellement loin parce qu'il est le maître de l'univers. Mais en même temps, il est tout, il est partout, il est omniprésent. Et en même temps, Dieu, tellement grand, s'est incarné pour démontrer son désir de s'approcher de l'humanité. Dieu n'est pas juste proche de nous. Dieu n'est pas juste comme à deux années lumière. Non, non. Dieu a marché littéralement sur terre. Il s'est incarné en son fils Jésus. Et lorsque Jésus était sur terre, il a dit en Jean chapitre 16, il vaut mieux que je m'en aille et que l'esprit reste au milieu de vous. Non seulement il est là, il a marché sur terre, mais son esprit est là avec nous. Paul va aller plus loin en disant, voici lorsque tu, tu reçois Christ, l'esprit de Christ. Tu, tu es comme le temple du Saint-Esprit. Il habite en toi. Dieu réside dans ton cœur, en toi, dans ta vie. Jésus, et c'est pourquoi Jésus a pu dire après sa mort, il est ressuscité, il est apparu à de nombreuses reprises à ses disciples, puis il va leur dire, je suis avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi nous pouvons dire qu'encore aujourd'hui, Jésus est là. Il est au milieu de nous. Il est là, présent en moi. Jésus vit en toi. Il est tellement grand, mais en même temps si près de mon cœur. Tellement présent. Je suis allé. Euh, cet été à l'Éco-Museum, c'est un zoo au Québec, et, euh, je crois que c'était à Montréal. Et euh, on a vu, moi et ma petite fille, des, un ours, un ours, c'était incroyable. Et là, il y avait un animateur qui euh, nous parlait un peu de la vie de l'ours, etc. Et il nous expliquait euh, comment réagir si tu fais face à un ours à un moment donné en forêt. Soit dit en passant, ça n'arrive pas à toutes les fins de semaine. Okay? Mais si, par je ne sais pas quelles circonstances, tu te retrouves face à face avec un ours, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois courir? Non, parce que l'ours est surprenamment très rapide et il va te rattraper. Est-ce que tu dois grimper dans un arbre? Non, parce qu'encore une fois, il s'avère que les ours sont de bons grimpeurs. Alors, il va t'attraper. Est-ce que tu dois juste prendre ton courage à deux mains puis « Let's go, l'ours! <laughs> » Arriver pour lui donner une bonne raclée? Non, parce que l'ours va, 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 va gagner. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est simple. L'animateur disait, voici, tu dois te faire gros tu te gonfles le torse, tu lèves les bras, tu prends le plus d'espace possible, puis tu commences à crier puis à faire du bruit. Ainsi, tu vas l'intimider parce qu'il va voir que tu es plus grand que lui, plus gros, plus féroce que lui. <laughs> Come on. À toi qui On vit de ces situations où -ce que on marche dans la vie puis il y a des moments juste sombres, difficiles. Des moments où -ce que tu te trouves en forêt tout seul. Puis tout à coup, il y, y a juste un ours qui te fait face. Il y a juste une, une épreuve qui vient te faire face. Puis, puis devant l'épreuve, est-ce que tu vas courir, fuir, grimper dans un arbre? Non, parce que l'épreuve va juste te rattraper. Est-ce que dans l'épreuve, je suis ici pour te dire, hey, courage, let's go, affronte l'épreuve, vas-y, frappe-la, tu es plus fort que ça, tu vas surmonter l'épreuve? Mon ami, l'épreuve peut, peut juste te ramasser dans la vie, te faire t'amener encore plus bas dans ta souffrance. Mais il y a une chose que tu peux faire, c'est de dire, te faire gros. Je veux dire celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est contre moi voici Christ qui est en moi qui réside en moi qui est là il est vainqueur il est plus grand il est je suis un enfant de Dieu je suis même appelé saint par sa grâce à cause de lui à cause qu'il vit en moi come on fais-toi gros c'est rare qu'on va dire ça mais fais-toi gros devant l'épreuve par la grâce de Dieu, à cause que Christ est en toi. Job continue en disant, et si j'avais un rendez-vous face à face avec Dieu, verset 6, chapitre 23, emploierait-il sa grande force pour plaider contre moi Bien au contraire. Mais lui, du moins, il me prêterait attention. Il reconnaîtrait bien que c'est un homme droit qui s'explique avec lui alors j'échapperai pour toujours à mon juge. C'est intéressant, Job est vraiment prêt à recevoir la réponse de Dieu. Mais la question qui est là, et, et c'est celle que ses amis, c'est surtout celle que ses amis tentent d'imposer, et c'est celle, la question que lui veut écarter, c'est ⁇ Suis-je injuste Est-ce que j'ai mérité ça ?⁇ en d'autres mots, suis-je trop loin? Si on se pose la question, où est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui est trop loin? On dit, non, Dieu est là. Par son esprit, il est en nous. Alors, est-ce moi qui est trop loin? Est-ce que c'est moi qui est juste éloigné, qui est juste trop pécheur? Est-ce que c'est moi qui s'est éloigné d'abord? Tu n'es jamais trop loin. Isaïe 59 nous dit, non, non. Suis-je trop loin? Non. Le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver. Ah, oui, notre péché nous éloigne de Dieu. Ton péché, mon péché, m'éloigne de Dieu. Est-ce que et peut-être tu t'es déjà fait poser la question. Est-ce qu'il y a du péché dans ta vie Et, et, et j'aimerais ce que tu puisses juste répondre oui, avec joie et dans la tienne aussi, mon ami. Oui, nous sommes pécheurs et, et ce n'est pas à cause que nous sommes pécheurs que tu vis ce que tu vis, les épreuves et les souffrances que tu vis. Tu es pécheur et tu ne pourras jamais être assez parfait pour Dieu de toute manière. C'est pourquoi qu'on a besoin d'un sauveur, Jésus-Christ, qui nous sauve, qui t'amène plus près du Père, qui te donne un libre accès à Dieu, une place de choix près de lui. Tu n'es pas trop loin à cause de Christ. Il est mort pour toi afin que tu puisses être près de lui. Dernièrement, il y a quelques semaines, euh, il y a un ami très cher à mon cœur qui nous a fait un, un grand cadeau. Euh, il m'appelle et il me dit écoute, euh, j'ai une paire de billets pour aller voir le Canadien de Montréal et il me dit c'est une bonne paire de billets. Bon lui il allait pas tout ça donc euh, sachant que je suis un, un fan de sport, euh, j'aime bien ça et bien il me dit Max, je te donne la paire de billets, alors t'ai extrêmement heureux. Il me dit « C'est des bons billets. » Et là, je dis ça à ma femme. Là, ma femme dit « Ah ouais, ben, alors, tu pourrais peut-être y aller avec Liam, mon fils de 8 ans. » J'ai dit « Jamais. Euh, » se <laughs> veut <C> dire <laughs> « Hé, hey, j'ai 32 ans. J'ai attendu 32 ans pour avoir des bons billets pour aller voir le Canadien. Je ne les ai même pas, pas offerts moi-même. C'est une grâce. On me les a donnés. C'est pas vrai que je vais amener mon fils de 8 ans. Non, non, il va attendre une coupe d'années. » <laughs> tu sais, c'est quoi, la prochaine fois qu'on va y aller pour sa première fois, euh, euh, on va être dans les grilles, en euh, hauteur, dans le fond de l'aréna, puis il va dire oh, c'était bien plus fun la dernière fois. Non, 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 non. On va y aller en étape. Alors j'ai dit non, chérie, on y va ensemble. Let's go. Une bonne paire de billets, on se gâte, on va avoir une belle soirée. Wow, merci Jésus. Alors on s'en va, on arrive euh, au centre belle et. Euh, Évidemment, on sait que c'est une bonne place, mais on ne savait pas trop c'était où euh, la rangée qui était marquée. Bon, ça peut porter à confusion, puis avec les lettres et tout ça. Donc, euh, on sait juste qu'on a une bonne place. Alors, on arrive là, et déjà, à partir où est-ce que ça nous dirige, on est dans la section des rouges, déjà là, tu sais, dans la section du bas. Alors, ah, c'est bon, ça. OK, c'est des, okay, des... bons biais, là. Nice, ça, ça vaut, ça vaut. Quelques centaines de dollars, c'est ce que j'ai entre les mains. Alors, on est très heureux, très content. Et là, de plus en plus, je regarde les, les rangées et de plus en plus, je descends les marches pour me rapprocher de plus en plus de la patinoire. Et là, je suis comme, je me sens un peu mal parce que je réalise que je n'ai pas payé pour ces billets-là. Je mérite pas, je travaille pas pour la compagnie à laquelle ces billets- là appartiennent. Je ne suis pas un représentant, je, je, je suis rien et j'ai des billets qui valent extrêmement cher et qui me permettent de me rapprocher de plus en plus pour réaliser que je suis littéralement en deuxième rangée. Okay? Sur le bord de la patinoire, je passe à la TV durant toute la soirée, on me voit, je suis là. So, so, les joueurs, je peux les toucher quasiment. J'ai les Montréal, le Canadiens, Montréal, puis Toronto. J'ai Austin Matthews devant moi, là, 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 Je le vois mâcher son, son, son Mouthpiece. Okay? Je ne sais pas comment dire ça en français. Je, incroyable! Expérience incroyable! Wow! Pourquoi je te raconte cette histoire-là? pour t'illustrer que toi et moi, nous ne sommes pas trop loin non plus. Christ nous a fait la grâce d'avoir un libre accès à Dieu, de pouvoir se rapprocher de Dieu. Il a payé le billet à notre place, puis il a payé cher. Ça lui a coûté sa vie afin que nous puissions avoir un accès à Dieu, afin qu'on puisse avancer et descendre les marches pour se rapprocher de plus en plus de la noire de la présence de Dieu. Alors tu peux te rapprocher. Tu n'es pas trop loin parce que Christ a pour vous pour le billet. Puis lorsque je me suis placé à ma place. Tout content, tout fébrile d'être en deuxième rangée. waouh! Immédiatement, quand j'ai mis les pieds là, tout de suite, un garde de sécurité est venu me voir. Parce que, <laughs> il voyait bien par mon habillement, peut-être, que j'avais peut-être pas d'affaires là, je sais pas. Et, et là, il vient me voir, puis il me dit, euh, « Excusez, est-ce que vous est vous avez payé pour ça? Est-ce que vous avez mérité ces billets-là? Est-ce que vous avez euh, fait quelque chose pour avoir ces billets-là? » Un peu comme les amis de job, hein? Est « Est-ce que tu mérites d'avoir ce bien-là? Est-ce que tu... Il m'a pas dit ça de même, il a juste dit euh, est-ce que je peux voir vos billets Ah mon ami, mon ami, tu veux voir mes billets Oh yeah! Je te montre mes biens. J'étais tellement heureux de montrer mes biens. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, bien que tu sois imparfait, bien que tu tombes, mais que par la grâce de Dieu, tu continues d'avancer, et bien que tu te sentes, tu te croches, mais tu sais que la grâce de Dieu te supporte, te relève, et tu te repens et que tu t'approches de Dieu. Et lorsque tu t'approches de Dieu, on peut te demander, l'ennemi peut te dire, est-ce que tu es sûr de mériter une place de choix comme ça près de sa présence? Et tu peux dire, ouais, ouais, oui, oui. Oui, Christ a payé pour moi. Christ a tout fait. C'est magnifique parce que Job connaît la grâce de Dieu. Il sait que s'il se présente devant Dieu, Dieu va le considérer juste et lui faire grâce. Il dit dans son texte, hein, est-ce qu'il va plaider contre moi? Bien au contraire. Parce que Dieu n'est pas contre toi. Dieu est pour toi. Vous savez, dans l'épreuve, dans la souffrance, dans, dans toutes les situations que j'ai nommées depuis le début, euh, plusieurs personnes, tu n'es pas tout seul, et moi et toi et, et tellement de gens, on a ce réflexe et cette malheureuse pensée que de croire que Dieu est juste un Dieu sévère qui veut nous punir, que Dieu est sur notre dos. Que Dieu y est demandant. Pensez juste un instant, c'est comme si un père était déçu de son enfant. Il était tanné de son enfant, puis ah, ah je suis tanné de t'entendre, ah, je, je suis déçu de toi. Alors il, prenait sa, alors il prend sa distance. Si un père fait ça. Prendre sa distance parce que « Ah, oh, tu me déçois. Ah, oh, parce que tu as, as mal fait ça. Ah, oh, parce que tu es trop émotif. » Alors, un père prend ses distances. Toi et moi, on, on regarde ça et on est comme « Ben non, ben non. » Un bon père va, va, va s'approcher, va réconforter, va, va, va tenter de relever, encourager. Ça, c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu ne, peut prendre, Dieu ne prend pas ses distances lorsqu'il te voit tomber, lorsqu'il te voit sombrer, lorsqu'il te voit dans l'épreuve. Te... Dieu ne prend pas ses distances. Dieu n'est pas un Dieu sévère. Dieu est comme un père. C'est l'image la plus souvent qui, 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 qui est le plus souvent euh, mentionnée par rapport à Dieu. Il est un père. Il est un bon père qui s'approche de toi et qui veut prendre soin de toi. Alors bien au contraire. Il n'est pas contre toi. Bien au contraire. Dis-le avec moi. Comment Bien au contraire. Portail BTB, vous n'étiez pas fort là-dessus. Excusez-moi, là, mais mais n'est pas. Ok. Comment Je sais là, tu m'écoutes peut-être en voiture, dans, dans, en autobus, au travail là, Mais vas-y, chuchote là au moins. Bien au contraire. Dieu n'est pas contre moi. Il me pardonne, il me restaure, il me relève, il pourvoit, il sait que tu tombes, il sait que tu vas tomber, mais il t'aime pareil. Il n'est pas trop loin, il ne prend pas ses distances. Il t'aime. Hum. Permets-moi de juste euh, m'arrêter un instant et de faire une capsule concernant les amitiés de Job. C'est intéressant parce que cette série nous permet de aussi de parler de, de plusieurs angles sur les amitiés. Puis ici, dans, dans le texte qu'on qu voit aujourd'hui, les amis tentent sans cesse de le convaincre que Job est pécheur, que Job est loin. Puis ils vont même aller jusqu'à être méchants, puis mettre la pression à Job de confesser des péchés qu'il n'a même pas faits. Effectivement, au chapitre 22, on voit Eliphaz qui se dit bien, ça. C'est tellement terrible tout ce qui t'arrive que c'est sûr que tu as péché. Puis là, Job, il dit Non, je ne suis pas pécheur, non, je, je suis droit. Puis Eliphaz, il, lui fait, il est comme, Non, je suis sûr que tu as fait ci, ça, 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 ça. Puis il invente des histoires qui sont fausses. Et il y a deux choses. Si tu es dans l'épreuve et que des amis qui t'aiment te disent, mon ami, tu devrais te repentir de ça. Ce n'est pas que ton péché a, a causé une souffrance ou une épreuve, mais c'est que le péché a des répercussions. Okay? Alors peut-être qu'un ami veut te démontrer que le péché t'a amené à, 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 dans un cycle, dans un pattern, et, et cause des répercussions dans ta vie. Il veut t'en détourner, il t'aime, il veut t'avertir par amour. Et parfois, c'est vrai, mais tu ne veux juste pas l'entendre. Alors tu te débats. Mais d'autres fois, comme dans ce cas-là, c'est juste pas vrai. C'est juste pas biblique. Eliphaz, c'est intéressant parce qu'il a perdu le contact avec la réalité de Job. À cause d'une théologie, une croyance que Job ne peut pas vivre ça s'il n'a pas fait du mal. À cause de sa théologie qui ne peut pas tenir en présence de la réalité de ce que vit Job en ce moment, il va déformer Job. Il va inventer des histoires par rapport à Job. Et, et j'aimerais dire, juste te, te sensibiliser que parfois une théologie fausse et déformée, ça peut blesser des gens. Ça peut déformer la la réalité de, de ce que vit cette personne-là, que c'est juste une souffrance, point. Parce que la seule façon dont tu peux gérer la réalité, c'est de, de la déformer pour l'adapter à ta mauvaise théologie, afin que cette, cette, maintenant cette fausseté cadre dans ta mauvaise théologie. Alors, il fait de Job un méchant. Et nous savons par le témoignage de Job et celui de Dieu au chapitre 1 et 2 que, que Job était irréprochable. Alors Eliphaz va juste aller trop loin. Il est juste allé trop loin. Alors si tu veux être un bon ami chrétien, okay, j'aimerais te dire, premièrement, ta théologie peut faire du mal comme elle peut faire du bien. C'est pourquoi c'est important d'avoir une bonne compréhension d'une théologie de la souffrance. Une bonne compréhension de la souffrance. C'est super qu'on fasse cette thématique-là sur la vie de Job parce que justement, ça bâtit une théologie de la souffrance. Ça nous amène à comprendre que, OK, non, ce n'est pas rétributif, ce n'est pas à cause que, que, que Job a péché qu'il a toutes ces souffrances-là. Non, pas nécessairement. Alors, j'aimerais te dire que c'est important d'avoir une bonne théologie. Et deuxièmement, écoute bien ça, en voulant défendre Dieu, il condamne Job. Et ça, je l'ai vu trop souvent. Même dans notre Église, même, même, même il y a des histoires des gens que je connais. Là. En voulant défendre Dieu, il condamne Job. Tu as voulu donner des conseils. Tu as donné euh, peut-être la bonne petite réponse biblique, mais tu as manqué une nuance. Ou parfois, le, le petit religieux en toi. A condamné le chrétien qui était juste affaibli, à terre, désespéré. Puis tu as juste dit des paroles qui finalement étaient dures, puis qui l'ont blessé. À toi qui veux être un bon ami chrétien, un bon frère, une bonne sœur dans la foi, tu peux servir quelqu'un qui souffre aujourd'hui même. Tu peux être un outil entre les mains de Dieu aujourd'hui même. Parce que tout le monde, tout le monde peut s'asseoir tranquillement et prier, réconforter, offrir un soutien. Tout le monde peut faire ça. Et c'est la chose la plus importante qu'Eliphaz, Bildad et Tsofar, les trois amis, ont fait. Lorsque Job, sa vie s'est écrasée, les trois amis sont venus le voir. Et, et, et jusque-là, ça se passe super bien. Ça a commencé à mal tourner lorsqu'on voit à la bouche. Mais pendant, s'ils avaient resté silencieux, tout aurait été, peut-être, peut-être qu'ils auraient été un meilleur soutien pour Job. Maintenant, je ferme la capsule sur l'amitié. Parfois, je fais juste dire que dans la souffrance des autres, il faut juste faire attention à ne pas imposer. Non, non, non. Quelque chose ou des paroles, mais plutôt, parfois, c'est juste mieux de se taire et de, de prendre soin. Et Job va dire, en continuant, chapitre 23, verset 8 Si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Il cherche Dieu. Si je le cherche au nord, je ne peux pas l'atteindre. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. Il parle des points cardinaux, puis il va partout, puis il dit je, je ne le vois pas. Comment trouver Dieu Ok. Où est Dieu Il n'est pas si loin. C'est pas toi qui s'est éloigné. Ok. Comment le trouver d'abord Extrêmement important. Vo -vo Voici une, une vérité que que je prie puisse s'enraciner dans ta vie. Ok. Alors que tu poses des questions. Souvent, on pose des questions à Dieu, et tu sais la réponse que tu veux de Dieu. Ok, Dieu, je veux que tu me dises ça en fait. Je veux que tu me dises ça puis comme ça puis de cette manière-là. Puis tu le sais que ça ne va pas arriver comme ça. Ok, mais tu le veux quand même. Alors, tu, tu continues à questionner parce que tu n'as pas cette réponse, et tu attends la réponse. Mais j'aimerais te proposer que le processus est notre réponse. Le processus est notre réponse. Dis-le avec moi. Le processus est notre réponse. C'est en le cherchant, c'est pendant que tu le cherches que tu es en train de trouver Dieu. Que Dieu te trouve, qu'il qu se passe, qu se passe quelque chose. Ce n'est comme, c'est pas comme quand tu cherches tes clés. Quand tu cherches tes clés à la maison, tu les cherches partout et l'accomplissement de, l'aboutissement, c'est lorsque, ah tu trouves tes clés. C'est pas, c'est pas, pas ça. La recherche, le processus de, de rechercher Dieu, c'est ça l'accomplissement. C'est dans ce, ce moment-là de recherche que, que tu es fortifié, que, tu, que, tu, que ta résilience grandit, que des fruits naissent. C'est là les bénéfices de l'épreuve. Ça ressemble plus quand tu joues à la cachette avec des enfants. Quand tu joues avec la cachette avec des enfants, là, le plaisir n'est pas quand tu les trouves, parce que depuis le début, tu sais où ils sont cachés. C'est comme après, après, j'y vais. Puis là, tes entends. Tu vois les pieds sortir. Tu vois, tu sais où ce qu'ils sont. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On va dans l'autre pièce. Ah, est-ce que tu es là? Et là, tu te promènes, tu fais du bruit. Ah, je vais te trouver. Puis là, t'es entends. Le plaisir est dans la recherche, est dans le processus. Et je sais que dans la souffrance dans l'épreuve, ce n'est pas très plaisant, mais la seule, le seul réconfort que tu peux trouver dans cette épreuve-là, dans ta souffrance, dans cette recherche de Dieu, c'est de savoir que le processus, le bénéfice est dans ce moment de recherche. Où est-ce que ça t'apprend à persévérer? Ça t'apprend à pleurer devant Dieu, à te lamenter devant Dieu. Ça t'enseigne peut-être même à un nouveau moyen de t'accrocher à Dieu. Dans un moment de sécheresse, ou que c'est long, mais tu es en train de découvrir un nouveau moyen de chercher Dieu. Vous voyez le, le moyen de Job C'est intéressant parce qu'au travers de cette déclaration-là, je vais à droite, à gauche, puis je le cherche, je le cherche. En, en même temps, il est en train aussi de reconnaître la grandeur de Dieu. En plein dans son désespoir, il est en train de reconnaître que, que Dieu me dépasse. Je regarde à droite, je ne le vois pas, je regarde à gauche, je ne le vois pas. Il est, il est où Il est tellement grand, il, il est où C'est rempli de désespoir, mais en même temps rempli d'espérance et de louange. Ça sonne un peu comme le psaume qui lui, chapitre euh, psaume 139 nous dit au verset 7, Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, tu vois là. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Un est, est, est rempli de, de louanges et d'espérance, puis l'autre est, est dans le désespoir. C'est intéressant. Je crois vraiment sincèrement, et, et, et je ne veux pas trop m'étaler sur ce point, mais simplement dire que je crois sincèrement qu'il y a une opportunité de survie dans la louange. <laughs> lorsque les mots nous manquent pour s'exprimer devant Dieu, lorsque les prières semblent juste redondantes, tournées en rond. Lorsqu'on ne sait plus, on ne sait pas quelle vérité dire. Il y a de ces chants d'adoration, de louange qui peuvent tellement faire une différence, qui peuvent orienter et juste te guider vers Dieu. Lorsque tu étais au creux de tout, puis tu dis. Oh Dieu, tu es infiniment grand. Tu es en train de dire que, que Dieu est plus grand que, que tes épreuves, que ta, que ta souffrance. Puis que tu peux regarder un Dieu souverain. C'est extraordinaire. Job va continuer, c'est le dernier passage de ce matin, verset 10. Cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie qu'il me passe au creuset j'en sortirai pur comme l'or car j'ai toujours suivi la trace de ses pas j'ai marché sur la voie qu'il a prescrite je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres j'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles c'est intéressant parce que Eliphaz juste avant disait à Job de faire de Dieu la chose la plus précieuse de sa vie puis Job il dit c'est déjà ce que je faisais je marchais déjà dans ses voies. Puis il va dire une deuxième chose qu'il va dire, c'est aussi, je suis précieux pour Dieu. Job sait que Dieu connaît la voie qu'il a suivie. Job sait que Dieu est peut-être silencieux, mais il n'est pas aveugle. Dieu est peut-être silencieux, mais il n'est pas aveugle. Il voit. Il voit. Une troisième chose qui est intéressante dans cette déclaration et dans ce verset, c'est que Job ne recherche pas la restauration de ses biens, mais de son honneur. Au lieu d'avoir de, de précieux métaux et des richesses, il déclare vouloir être pur comme l'or. C'est son caractère qu'il veut voir croître et transformer. Et finalement, il voit tout cela, tout ce qu'il vit, comme une épreuve. Hein? Qu'il me passe au creuset, j'en sortirai comme de l'or. Il veut continuer à marcher dans l'épreuve. Hein? Dieu te voit. Dieu connaît tes pas. Dieu te, te soutient, te soulève, te supporte dans l'épreuve. Mon ami, je veux t'appeler à persévérer, à être résilient, à te soumettre à Dieu. La foi, ce n'est pas de nier l'épreuve, c'est d'espérer en celui qu'on ne voit pas, mais qui est là, qui est présent. Tu te dis, « où Dieu? » La foi, c'est de dire, « Il est là. » Même si je ne le vois pas, il est là. Même si je, je ne le sens pas, il est là. Alors Job, au fond d'un corps malade, au milieu de toutes ses pensées brisées, son esprit met encore sa foi et sa confiance en Dieu. Accroche-toi à Dieu. Attache-toi fermement à Jésus-Christ. Devant tes accusateurs, accroche-toi. Avant ta souffrance, pendant ta souffrance, puis après ta souffrance, attache-toi à Dieu. Persévère. Continue. Quand quelqu'un te, te condamne avec une mauvaise théologie, persévère, accroche-toi à Dieu. Quand quelqu'un manque d'écoute et de compassion envers toi, accroche-toi à celui qui t'entend, celui qui est là. Quand tu ne le vois pas, accroche-toi à Dieu. À tout moment. Et, et lorsque je t'invite à, à persévérer, je ne suis pas en train de te dire de, de prendre le contrôle de ton épreuve. Non. Je suis en train de te dire, hey, mon ami, pr prends le siège passager. Dieu est, est déjà venu vers toi. C'est possible de t'accrocher à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est déjà venu vers toi. Alors c'est possible de t'accrocher à Dieu. Puis euh, alors que tu t'accroches à Dieu. On a souvent cette fâcheuse tendance de vouloir prendre le contrôle de, de l'épreuve, prendre le contrôle de nos vies. Puis non, non, fais juste, fais juste accepter que Dieu arrive. Puis hey, embarque, embarque, je t'emmène, je t'emmène dans la bonne voie, dans la bonne direction. Embarque. C'est contre nature parce qu'on veut prendre le contrôle, parce qu'on veut contrôler notre vie. On aime se conduire. Puis Dieu dit juste, puis moi, je t'invite à juste dire, non je. Je vais être sur le siège passager. Je vais me reposer. Je vais me reposer. Laissez Dieu conduire. En terminant, j'aimerais t'offrir une autre capsule quand même. T'offrir une perspective différente à toi qui... Comme je l'ai dit en introduction, l'épreuve, moment de sécheresse, remise en question, les blessures, blessures par l'Église, puis tu te dis, où Dieu là tout ça. J'aimerais te dire que, et je termine là-dessus, trois choses que l'épreuve est utile pour la mission. John Piper va écrire sur le sujet l'épreuve est utile pour la mission, pour ton témoignage envers les gens, ou pour l'évangélisation si tu veux. C'est utile. Et, et, et encore une fois. Je ne veux pas négliger la douleur de ce que tu vis présentement, peut-être, alors que tu m'écoutes. Je ne connais pas ta vie. Je veux vraiment être une source d'encouragement, mais, mais je veux aussi te, te donner peut-être un brin d'espoir ou du moins une perspective, un recul un peu sur ta situation et te dire l'épreuve est utile pour la mission parce que, un, tu ne peux pas témoigner si tu ne restes pas croyant au milieu de la souffrance. Tu ne peux pas conduire personne à Christ. Si tu abandonnes Dieu dans l'épreuve. Deuxièmement, aujourd'hui, être en mission là, pour Jésus dans sa communauté, ça peut te coûter cher. Ça peut faire mal. Si tu veux que ton entourage découvre Christ, ça peut être, apporter des sacrifices, une souffrance. De, de, de prendre la parole dans, ta, à, au, au bureau, entouré de tes collègues de travail. Puis peut-être qu'il va y avoir de l'intimidation, peut-être qu'il va y avoir des, des doutes, des, des rires, peut-être des rires en coin un peu. Ah oh, oui, le chrétien qui parle. Oh, oui, toi, t -t -t, ah oui, tout. Ah ouais Alors, ça peut être souffrant de vivre ça. Alors, si nous n'avons pas une théologie de la souffrance, nous n'avons pas de fondement sous nos pieds, eh bien, on n'ira jamais en mission. On ne sera jamais prête à payer le prix de l'évangélisation si à moins qu'on sache que dans la souffrance Dieu est encore là. Alors, c'est utile pour la mission. Troisièmement, si tu n'arrives pas à chérir Dieu plus que la santé, la richesse, la popularité, le succès, peu importe. Tu ne pourras pas dire à qui que ce soit que Jésus est plus précieux que toutes ces choses tu dois arriver à un, à un endroit dans ta vie où ce que aimer Dieu, chérir Dieu, se réjouir en Dieu plus que toute autre chose, se contenter, se satisfaire de Christ seul. Eh bien à ce moment-là, tu vas pouvoir dire, hey, je veux te parler de Jésus. Il a changé ma vie puis il, a, il est tout pour moi puis je veux t'en parler. Et quand tu vas le dire ça va être authentique et les gens vont le ressentir. C'est pourquoi je dis que l'épreuve est utile pour la mission. Que Et, et, et j'aimerais te rappeler ce que j'ai parlé de, pendant ce message. L'épreuve porte du fruit, est en train de produire du fruit. C'est pas juste. Elle va porter du fruit dans un futur. Non, 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 c'est dès maintenant, dans l'épreuve. Il est en train de se produire quelque chose où ça porte du fruit. Le processus est notre réponse. Le processus est notre bienfait. Pour toi, mais aussi pour le témoignage que tu apportes autour de toi. Alors, Église, il est où, Dieu? Il est au ciel? Il est là? Il est là, il est partout, et il peut même être en toi. Et pour plusieurs, il est déjà en toi. Alors, Église, persévère, Christ est là, en toi. Si tu veux en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, je t'invite à nous écrire à portail.com et un membre de notre équipe va te répondre le plus vite possible. Et c'est valable pour toi aussi, si tu vis des défis, des souffrances ou si tu as une requête de prière, n'hésite pas, écris-nous, on va prendre du temps avec toi. Euh, en terminant, on voulait juste vous remercier. Merci pour votre générosité. C'est grâce à vous que l'Église est capable de faire tout ce qu'elle fait, d'être tout ce qu'elle est. Alors euh, merci de participer à faire avancer l'œuvre de Jésus. Si vous ne savez pas comment donner, euh, vous pouvez le faire via votre institution bancaire ou en nous écrivant à dons-at-église-leportail.com Sur ce, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine.